في جدة مثل الشانزليزيه تصبح الشقة السكنية مشروعاً استثمارياً بالنسبة لمصمم ديكور مثل جيرار الذي يمنح السكن في المباني التاريخية نفساً معاصراً عبر إعادة تكوينه من الصفر مع الحفاظ على التفاصيل بعينها تستطيع أن تتكامل مع متطلبات المعاصرة. Gérard Fève, c'est un décorateur atypique, puisque Gérard Fève n'a pas de clients. Je compare un peu mon travail comme un peintre, si je puis dire, où à chaque fois, je fais un tableau nouveau. Le défi dans cet appartement, c'était de retrouver l'ambiance que pouvait avoir l'appartement quand il a été construit, cet immeuble, en 1860. Donc nous étions sur les années Napoléon III, beaucoup de dorures, beaucoup de choses comme ça. Donc pour moi, c'était un challenge parce que je fais des choses souvent un peu plus contemporaines. Dans cet appartement, l'intérêt, c'est que souvent dans les appartements haussmanniens, on avait des grands couloirs qui desservaient des cuisines. Ici, on a essayé de tout mettre en place de façon à ce qu'il n'y ait pas de place perdue. Donc on a une salle à manger qui est proche de la cuisine. قطع معاصرة فيها رائحة الماضي وتنميق للجدران والأسقف باستخدام جريء في الطلاء. جعلت من مساحة 270 متراً مرباً بيتاً يؤمن الراحة والدفء والأسلوب الفارهة في العيش داخل أشهر شارع في باريس داخل مبنى تاريخي. C'est mon savoir-faire de mélange qui fait la différence. C'est mon savoir-faire parce que je suis passé par la couture. C'est mon savoir-faire du choix des couleurs, du mélange des couleurs. Donc mon travail, c'est un travail de décorateur, mais qui est différent des autres parce que c'est Gérard Fève qui le fait. J'ai d'autant plus de plaisir que quand je finis un appartement, je trouve le client à qui ça va plaire. C'est ça la reconnaissance. Auparavant, c'était trois pièces, donc on a tout cassé et on a fait un grand volume de 70 mètres carrés. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de porte. Et donc, c'est ce volume ici qui est le dressing qui a été fabriqué spécialement. C'est un béton, tout en béton, un béton allégé où on a une impression de cuir. Donc, ce dressing est ici, voilà. Et donc, l'intérêt du dressing, c'est qu'il fait finalement cloison entre la salle de bain et la chambre. Et les salles de bain aujourd'hui, c'est aussi un endroit où on a envie de faire autre chose. Et moi, je pense que c'est un endroit où après, par exemple, on sort du hammam, on a envie enveloppé dans son peignoir. Pourquoi pas se détendre avec un bon livre et rester aussi dans sa salle de bain. L'appartement, il est seul à l'étage, donc on a 17 fenêtres sur cet appartement. Et nous avons comme une proue de bateau avec des vues sur l'hôtel George V. هنا يثبت الديكور الداخلي قدرته على إعطاء انطباع جيد عن المكان وتحريره من القيود المعمارية التي أنشئ على أساسها. On n'habite surtout pas chez Gérard Fèvre. Pourquoi? Parce que justement, puisque je me permets de proposer à mes clients du clé en main. Je veux que ça soit comme si c'était eux qui l'avaient choisi, cet appartement. Bienvenue Canard TV. Vous êtes dans un appartement réalisé par moi-même, Gérard Fèvre.